touche rapidement jouée par Arnaud pour Savagnier qui est par terre. Une faute encore une fois de Limelou, mais l'arbitre laisse l'avantage. Le centre de Souquet au second poteau, peut-être la remise de la tête pour Laborde. Le tir à main, le but de Gaëtan Laborde sur la remise d'Andy Delors. C'est prodigieux, c'est magnifique. Ah, quel beau but, mes amis, quel beau but. Voilà le bon retour signé des Montpellierains au stade de la Mosson après plus de 5 mois. Ah, quel beau but, Gaëtan Laborde, l'homme en forme du moment qui doit beaucoup quand même sur cette action de jeu à la remise de la tête d'Andy Delors. Franchement, que peut-on demander de plus à TJ Savagnier s'il vient de marquer le but de la tête Picard, le but. Oh, le but magnifique de Daniel Congrès sur le corner de TJ Savagnier. Daniel Congrès est monté plus haut que tout le monde. C'est magnifique, le but d'un défenseur, Daniel Congrès. Niçois lors de la première journée à Nice contre Lens. Le corner est tiré par Savagnier au second poteau. Repart la comme elle vient, mon ami Ristich. Oh là là là, Ristich. Et c'est là, là Daniel Congrès encore une fois. Daniel Congrès, doublé de Congrès sur la frappe monumentalissime de Ristich, repoussé de deux points par Walter Benitez, se trouve là au bon endroit, au bon moment. Daniel Congrès, oh là là, c'est le Messi, c'est le Messi, c'est la première fois que Daniel réussit un doublé depuis qu'il porte le maillot montpellierain sur un même match. À moins que ma mémoire me trahisse, que je perde le nord, je n'ai pas souvenir que Daniel Congrès ait inscrit deux buts dans un même match sous le maillot montpellierain.